fuck avec toi à chaque fois. Là, ça me fait bizarre, parce que on voit pas ce qu'on fait. Ouais. T'as vu? Genre, on sait même pas ce qu'on est dans le cadre, ça se trouve, je suis pas dedans. Si, si, t'inquiète pas, on voit derrière. Oh putain, j'ai envie de voir. J'ai toujours rêvé de voir, c'est génial. D'accord, t'es très chelou, hein. Juste. Allez, c'est bon? Oui. Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. On se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Camille, vous l'avez reconnue. Si vous avez vu la vidéo challenge, est-ce qu'on se connaît bien, elle est de retour sur la chaîne. Putain, je vais dépiter, genre. Elle est de retour. Non, mais voilà, c'est trop bien. Voilà, t'es là pour la journée. Oui. Oui. On va filmer plein de vidéos, je pense. Et voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour quoi? Pour... Attends. Ah oui, pour... je sais pas comment dire, enfin comment dire aussi, genre on doit trouver des bandes annonces avec... Ouais c'est ça. Un blind test de bandes annonces. Mais en fait on a 5 bandes annonces chacune. Ouais voilà. Et on doit les faire deviner à l'autre. Et voilà. Et si on les trouve pas, on a un gage. D'ailleurs on n'a pas pris le gage et on sait pas ce qu'on prend au final. Et le gage en fait c'est de manger un bout de cornichon. Genre on dirait que c'est... Parce qu'en fait on déteste ça. On n'aime pas en fait, on n'aime pas toutes les deux. Et du coup bah on a pas envie de perdre. Et du coup oh, ça se voit là un gage horrible, mais c'est pas plein. Du coup et ben on va chercher les cornichons parce qu'on les a oubliés. Oui. Et on revient juste après, mais je vous laisse le jingle comme d'habitude. On va chercher les cornichons. My name's... And when I feel broken, you help me find my feet, my feet. When I can't stop falling, like I'm lost inside a dream. Bon, du coup, on a les cornichons, on cache la marque, parce que c'est pas un placement de produit, hein. Mais c'est des cornichons, quoi. Mais c'est des cornichons, basiques. Pardon. De toute façon, on n'aime pas le placement de produit, super. Donc voilà. Alors, qui commence? D'accord. Allez, là, parce que challenge... Au challenge, c'était toi qui avais commencé pour les... C'est vrai, c'est vrai. Donc je commence. Donc là... Où tu commences? Bah je te dis, enfin je te... Ah oui, je commence à deviner. Voilà. Donc, du coup là on fait sur les films, et donc on en a 5 chacune, et on fait en alternance aussi. C'est mieux, comme pour le challenge, pour oui. Les questions. Oui. C'est pareil. Oui. Alors, la première je pense que c'est simple, tu vas trouver. J'espère qu'on n'a pas trouvé, les... genre qu'on n'a pas eu les mêmes bandes annonces. On verra bien. Oupsi. Ouh, attends. C'était déjà avant. C'est une voix d'homme, je crois. Et je vous mettrai la capture de la bande-annonce là par là devant. Bref, voilà. Pour que vous voyez ce que c'est aussi. Après quoi tu cours? Je suis nulle en bande-annonce sur un cardiaque. En vrai, je crois que je suis hors du cadre. Je suis méga concentrée, je suis. Ah là c'est obligé. Ouais ouais, ok. Ouais, je connais quelqu'un, c'est le roi de la contrebande. Ouais bon bah c'est bon. C'est bon? C'est quoi? Bah c'est film solo. Ou c'est le film de... Bah si c'est ça non? C'est pas le film d'un solo là? Bah si c'est ça. Ouais bah solo quoi. C'est solo de Star Wars. Putain. Story. Voilà. En fait au début je voyais pas du tout, je suis vraiment nulle. Mais moi... Ça va. Eh, t'as trouvé, t'as pas droit au cornichon. Je sens que je vais avoir droit à un cornichon. Un cornichon. Cornichon. Cornichon les cornichons des premières bandes annonces. Donc pareil, ouais, du coup, je vous mettrai les bandes annonces là par là. D'accord. Et... Alors, j'ai mon premier. Ah, la caméra, quand même. Elle va tomber en 2 secondes. Comme ça.
bien de renoncer à entrer dans la cellule avec celui-là. Il est gigantesque. Il peut pas être plus grand que toi. Je sens encore une fois. Ouais. Cornichon. T'as pas d'idée? Non. Non mais lui c'est le méchant, c'est lui qui finit, pas très gentil. Place au cadavre ambulant. Merci. Ça suffit. Oh, la ligne verte. Putain. Ah c'est la ligne verte. Oui, c'est ça. Ouais. Merci, ouais. Et c'est ça qui m'a fait trouver, hein. Ah ouais? Ah ouais. T'aurais jamais trouvé? Ah j'aurais jamais trouvé. C'est vrai? Le fait qu'il ait dit Percy là, j'ai tout de suite trouvé que c'était la ligne verte. Oh, pas de cornichon. La ligne verte, c'est trop bien. Exact. Ouais. Il est pas mal, mais moi il m'avait traumatisé. Ouais, c'est quand tu veux, je vais me bouger. Oh bon. Ah, oui, c'est étrange. Allez, à moi. Bah, tu vas trouver. C'est obligé que tu trouves. C'est bon, bien. Ah, bah si ça parle pas, ça va pas aller. Quand même, c'est étonnant. Ah bah oui. Je m'as fait peur, hein. Tu m'as fait peur. Allez. À toi. Ah, moi j'en ai pris un, mais je sais pas si ça compte. Pourquoi? On va dire que ça compte quand même. Pourquoi? C'est un dessin animé, lui. Oh bah si, ça compte. Ça, c'est un film. Viens rentrer. Attends, mais voilà. J'ai la musique dans le sang. Moi, je serai musicien. Les musiciens sont égoïstes et irresponsables. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Coco. C'est Coco. Oui, il est bien. Je l'ai jamais vu. C'est vrai? Ouais. C'est pour ça que je trouvais pas. Mais en vrai, après, les autres, ils sont faciles. Hein. Et du coup, ouais, Dante, oui. D'accord, oui, je comprends mieux, du coup. Bah voilà, oui. Après, là, bon. Je t'en ai mis un, c'était cadeau, quoi. Moi, je t'en ai mis un. Je sais pas si tu vas trouver, mais je pense quand même. Tu l'as jamais vu, parce que c'est pas un style que tu regardes. Mais tu vas trouver, c'est obligé. Je pense, quand même. Si tu me connais bien, tu vas trouver. Oh putain, déjà avec la musique. Je trouverai, moi. Oh, c'est ça? C'est ça. Mais c'est pas son avis. Attends, juste j'ai envie de voir, genre jusqu'à ce qu'il y ait Pennywise. C'est juste le Billy, hein. Je connais juste le Billy. Billy, ouais. Ouais, parce qu'après, je sais que tu l'as jamais vu ou que t'aimes pas les films d'horreur, non? Oh, le 2 il sort bientôt. Oh, je suis trop contente. En vrai, j'ai trop envie d'aller le voir au cinéma. Mais je le connais qu'en anglais, le film. Parce qu'en français, j'ai du mal. Enfin, mais j'aime pas la taille des coups. Ah, le rire! C'est pas! D'après l'histoire, la plus terrifiante de Stephen King, quand même. Alors, en fait, genre, ça devait être un challenge. Et je pense que finalement, peut-être les cornichons. On va essayer de pas en manger. Ouais, je pense qu'on va pas manger. Franchement, là, c'est cadeau, hein, je te le donne. Hein. Ok. Tu vas trouver, toi, c'est sûr. Ah, bah, Harry Potter! Bah, non, mais! Il reste ça et sauf. Franchement! Elle dit Harry, c'est... Mais puis même, je veux dire, la voix, comme c'est dit et tout, on reconnaît que c'est Lily Potter, ouais, quoi. Mais même, après il dit... Après, Harry Potter. C'est bon, on n'a rien vu. Là, c'était un petit peu... Ah bah là, obligé que tu trouves, quand même. Surtout que tu l'as vu et moi non.
C'est intéressant. Attends. Bah, une cube. Donc comme ça, il est trop facile à suivre. D'accord, tu vas trouver. Tu vas trouver. Votre mission. Oui, je te... C'est d'essayer de sauver le plus de vie possible. Attends. Tu l'as vu, moi, mais... J'ai rien que la voix. Je suis pas mal. New York. C'est un Avengers, ça. Enfin, c'est un truc Marvel. Moi, j'ai trop. Putain. C'est Civil War. Yes. Ok. C'est Civil War. En fait, j'hésitais. Exact. Moi, c'est vrai. Non, 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 non. Pardon. D'accord. Alors, m'approcher. Allez, franchement, il est facile, hein. Mais s'ils disent les prénoms, ça va être plus facile. J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire. Je me suis extirpé de cette caverne. Oh, Iron Man. Bah, Endgame. Oui, le vrai. Ah, oui. J'ai reconnu sa voix. Non, en même temps. C'est la voix que j'ai reconnue. C'est le meilleur. Non. On va pas regarder la suite. Pardon. L'émotion. Celui-là, le prochain. Celui-là, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un film d'action. C'est le dernier. Oui. Ah, c'est déjà le dernier, on n'a pas mangé un cornichon. Il est déçu, hein. Tu m'étonnes. Bah, quoi que celui-là, je sais pas. Parce que je sais pas si tu vas trouver, parce que je sais même pas si tu l'as vu. Parce que, bah, après, c'est un film d'action, donc peut-être que tu vas trouver. Mais après, je sais pas. Bruce, voici Arvedette. Grâce à Rachel, je sais déjà tout. Pas tout, j'espère. Bruce. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'attraction de la soirée. Ah, mais lequel? Est-ce qu'il y en a eu? La personne, c'est qui parle? De le Joker? Ouais. Non. Et du coup, lequel? J'ai compris ce que je dois devenir. Bah, écoute, là, dans Batman Begins, donc je sais pas si c'est lui. Ah, putain, c'est presque celui-là. Je pense pas qu'il devine assez longtemps pour devenir le méchant. En vrai, je connais Begins et The Dark Knight. C'est les deux seuls que je connais. C'est The Dark Knight? Ouais. J'ai jamais vu les Batman tout derrière. Je les ai, ils sont trop bien. Enfin, moi perso, je suis pas fan de Batman, mais ce que je préfère, c'est vraiment la trilogie Dark Knight, quoi. Mmh. Ouais, avec Begins, Dark Knight et Rise. C'était ton dernier. Ouais. J'aurais pas mangé de cornichon. Ouais, t'as pas mangé de cornichon, toi. Mais peut-être Toto non plus. Je sais pas si tu vas trouver. Non, mais elle va trouver, comme d'hab. Je ne l'ai pas trouvé, je vais me taper un cornichon. Attends, mais j'espère que tu vas parler, ça parle pas pour l'instant. Non, mais si ça parle pas, je vais trouver une autre. Parce que ouais. C'est trop dur, sinon ça parle pas. Ouais. Je crois que ça va pas parler. Ouais. Parce qu'il y avait le mec qui avait de la musique, le mec qui parlait, puis ça faisait. D'accord. C'était quoi? Ah bah attends, je t'en mets une autre. Non mais il y a la musique aussi. Quelle arnaque. Les voix qui s'entendent. Oh, c'est bien. Avec une grande clarté. Et ils obéissent à ce qu'ils entendent. Cela devient fou. C'est vrai, c'est le connaître. Le père, je te présente ma fiancée, Susanna. Alors, c'est lui, Tristan. Tu connais pas Susanna? Un truc, mais ça va pas être ça parce que je sais même pas c'est quoi le film, en fait, le résumé. J'allais dire Légende d'automne. Putain, c'est ça. Quelle arnaque. De quoi? Si, c'est ça. C'est ça. Putain. Arrête, c'est le même coup que pour les chats. Je suis dégoûtée. Pour les chats, pour le challenge, est-ce qu'on connaît bien? Ah oui.
Mais comment t'as trouvé si tu connaissais pas? Je pense que c'est la musique à un moment. Je savais que les allaient me trahir. À un moment donné, je sais pas, ça m'a fait penser à la légende d'automne. Mais je savais même pas qu'il parlait de la guerre. Tu vois ce film? Non, j'ai jamais vu. C'est trop bien. C'est vrai, j'ai les gens. Je viens de trouver. En plus, il a même pas le doublage d'habitude en fait. C'est pour ça que je cherchais la voix. Je me suis dit, bon, il y a Brad Pitt dedans. Il y a Brad Pitt, donc est-ce que je vais reconnaître la voix ou voilà? Mais je reconnais pas. D'accord, donc c'était en fait légende d'automne. Donc on n'a pas mangé un seul cornichon. Voilà. C'est l'arnaque. Êtes-vous déçus? Dites-le dans les commentaires. Le challenge qu'on va faire, on est sûr qu'on va forcément se tromper. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a évité les cornichons. Ouais. Pour cette fois. Mais on était gentilles. Hein. Ouais, ça va. C'est des filles quand même connues. Ouais, je pense. Quand même, oui. Pense. Dites-le nous. Mais du coup voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, on vous fait de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo comme d'habitude. Bye. Je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour faire un nouveau petit truc que je vais instaurer à la fin de chaque vidéo. Ça sera une dédicace et aujourd'hui ça sera une dédicace pour Maëlle. Maëlle qui se reconnaîtra, qui est une fille qui est dans ma classe. Voilà, et si vous voulez participer à ce nouveau petit projet, rien de plus simple. Il vous suffit de mettre le hashtag Laura dédicace dans les commentaires que je lis tout le temps. Et puis voilà.